Bonsoir à tous. Voilà, on a promis comme ça. Bonsoir à tous et à tous. Et voilà, et voici ma nouvelle pièce de théâtre. Ouais, ma nouvelle pièce de théâtre. Et ça va s'appeler Alfred va se remarier. Et oui. Alors Alfred, tu vas te remarier, ouais, toujours avec la même femme, ouais, ça fait 10 fois que tu te maries avec la même femme. Tu comptes te marier combien de fois dans ta vie? Autant de fois qu'il le faudra. Tu sais, quand on est marié une fois, on l'oublie pas, hein, normalement. Alors, si ça te plaît de te remarier encore une fois, hein. Ah oui, la pièce théâtre, elle est pour tout le monde, de 0 ans à la fin d'un âge. Et on devait encore faire un match nul. Ah, c'est bien parti, hein. Ils n'auraient pas fait ce match nul. Hein. Ah ben, on aurait été 3e au classement. Enfin, on aurait été 3e au classement. Mais maintenant, on est 7e au classement. Ouais, on a 21 points. Ouais, mais j'étais tout content que Charleroi fasse un match nul et quand j'étais en train de perdre, de Johnny. Maintenant, le prochain match, c'est pas avant le 22. Ouais, ouais, parce qu'il y a les rouges là, qui vont jouer. Ah oui, mercredi, je viendrai un peu plus tôt parce qu'il y aura football mercredi. Donc voilà. Belgique contre la Suisse. Voilà. Comme ça, vous le savez déjà à l'avance. Mais je vais quand même vous le répéter au cas où vous l'aurez oublié. Donc voilà. Et donc voilà. Alors, Alfred. Alors. Et ta femme, elle est où? Elle est? Ah. Elle est chez le maire pour le mariage, pour signer encore le mariage, ben, jeudi. Hein? Ton fils, oui, ton fils, oui. Ah, t'as passé de la musique. Je crois qu'il avait des travaux dans la rue, moi. C'est passé de la musique. Ah bah ouais, bah il a encore des cours à faire, hein, parce que ça c'est pas vraiment de la techno, hein. Ah, du rock, hein. Ah non, non. Et le micro-rocker, moi je la connais, hein. Ça c'était... Hein. Il y a encore des progrès à faire celui-là, hein. Ton fils. Ouais, mais enfin... Hein. Il a pas joué où, lui? Pas en correspondance. Maintenant, jeudi, il a dû suivre des cours. Hein. Il peut faire avant par lui-même. Ah ben là, il en a au moins pour 3 ans, alors. Hein. Ah ouais. Si au moins il a suivi des cours avec un vrai professionnel, avec un vrai professeur de rock, au moins, il aurait pu faire des progrès. Il serait pas obligé d'attendre 3 ans. Ah ouais, mais enfin, quand même, hein. Franchement, ouais, ben ça, aujourd'hui, hein, il est bizarre, hein, ouais, il est bizarre. Il est très bizarre, parce que c'est pas vraiment de la musique, hein, ça, en nous, il dit. Ah non, ça... Ah ouais, c'est pas la musique, ça, Alphonse. J'ai déjà dit, hein, ça va rien du tout, hein. Ah ouais, bah. Ah, parce qu'il compte jouer cette musique-là à ton mariage, et maintenant, jeudi. On a intérêt à
avec des boules qui est ça là ce jour-là parce que sinon on va tous devenir sourds. Hein. Ouais, parce que, hein, franchement, hein, ouais, parce que c'est pas normal, hein. Là, ouais, parce que là, franchement, hein, c'est pas de la musique, hein, je suis désolé. Mais c'est du bruit. Ouais, mais enfin, quand même, hein. Et ouais, Véronique? Oui, Véronique, ma fille, elle est où? Elle répète avec lui, maintenant de Johnny. Et ils vont... Eux aussi vont se marier, ça continue, hein. Il y aura deux mariages, ça continue, hein. Ah ouais, mais enfin, hein. Oh, enfin, c'est pas sérieux, ça, hein. Ah ouais, mais ça, je l'ai déjà dit, hein. Ah ouais, mais enfin, quand même, hein. C'est pas sérieux, hein. Ah, mais non, mais... C'est pas sérieux, c'est pas sérieux, je l'ai déjà dit. Ah ben, c'est comme ça. Ah bah ben ouais, mais enfin, quand même, hein. Ah ouais, mais, hey, ça, je l'ai déjà dit. C'est pas sérieux. Ah bah ouais, ben ça. La prochaine fois, hein, tu apprends à ton fils à jouer de la musique. Hein, parce que ma fille, elle aime bien la vraie musique. Hein. Pas du n'importe quoi. Hein. Ah bah alors. Ah ouais, ben ça, j'ai déjà dit. Hein. T'as qu'à demander à ma femme. Hein. Tu vois, hein. Elle te dira si c'est de la musique, franchement. Elle aussi, elle a cru qu'il y avait des travaux dans la rue. Et, hein? C'est pas de la musique, hein, je suis désolé, hein. C'est des hurlements. Oh, mais enfin, ah, mais c'est pas comme ça, hein. Ça va pas comme ça, hein. Ah, mais ça, je sais, ça quand même, hein. Quand je vois, quand j'entends, hein, les vrais rockers jouer la musique, hein, eux au moins ils ont l'avenir devant eux, hein. Ouais, l'avenir devant lui. Peut-être l'avenir très, 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 très loin devant lui, alors, hein, parce que il y a encore des progrès à faire, hein. Ouais, mais enfin. Et là, la pièce est terminée. Maintenant, une nouvelle pièce de théâtre. Et ça va s'appeler Bienvenue. Bienvenue, ça s'appellera Bienvenue. Voilà. Alors, François, oui? Tu comptes travailler quand? Demain? Ah ouais, mais enfin, ça fait 7 jours que tu as pris congé. Oui, c'est t'as droit à 21 jours de congé normal. Mais n'oublie pas, si tu les prends tous maintenant, tu auras plein pour la fin de l'année. Hein? Ah bon? Ah ouais, mais enfin, quand même, hein. Les congés, faut les modérer, hein. Ah ouais, et il n'y a pas d'avec modération, hein. Sinon, t'en auras plus, hein. Ah bon. Ah ouais, ça. Hey, ton patron. Ah ouais. Patron. La dernière fois, quand il est venu dîner à la maison, ton patron, imagine, votre fils, je l'aime bien, mais il a un peu la tête en l'air, hein, on est.
parfois il y a un côté de ses pompes. Ouais, mais ça. Oh, mais. Faut te motiver, hein. Ah ouais, mais enfin, tu te reposes la nuit et la journée, il faut travailler. Ouais, bah, t'as droit à des congés, d'accord, mais comme je viens de le dire, si tu les prends tous maintenant, t'auras plus rien pour la fin d'année. Ah ouais, enfin. Oui, je sais, t'as pas encore pris un seul jour de congé de maladie, je le sais. Mais enfin, quand même, hein. Regarde ton frère Michael. Il est en plein délire, celui-là, tu sais. Ah ouais, mais enfin, quand même, hein. Non, mais lui, il délire carrément, hein. Il y en a qui traînent du chapeau, mais lui, il fait des supplémentaires, hein. Lui, il fait que travailler. Ah ouais, mais même la nuit, il travaille. Mais enfin, il dort. Maintenant, il dort même pas. C'est ça qui est grave avec lui, c'est qu'il dort même pas la nuit. Au lieu de dormir la nuit et travailler la journée. Ah, ça, pour travailler, il travaille, hein. Ah, ça, c'est important, il fait de lui, hein. Ah ouais. Enfin, quand même, hein. Toi, tu veux pas. Tout est congé, t'en auras plus de contenu. Et lui, ses contenus, il en aura besoin, lui, des congés. Ouais, mais enfin, hein. Quand même. Hein. Ça va pas, hein. Oh, mais j'ai déjà dit, hein, ça va point, hein. Ça va pas, hein, ça. Oh, ouais, mais enfin, quand même, hein. Je vous dis, ça va pas et ça n'ira jamais. Hein? Bon. Hein? Bon. Et là, la pièce de théâtre est terminée. Demain, vous aurez une nouvelle pièce de théâtre. Et maintenant, voici les aventures de Jeannot et Jeannette. Ben maman, oui. Mon téléphone sonne, hein? Ah oui. Allô? Oui, c'est maman ici. Oui? Ah, vous ramez. Ah, non, vous êtes toujours à la recette de l'île. Ah, vous l'avez trouvée. Et la zone verte, oui. Ah, mais tant mieux, hein. Ah, il faut, hein. Ah, mais oui, hein. Il faut, hein. En zone verte. Ah, oui, hein. Ah mais il faut, hein. Ah bon, oui, hein. Jean-Jean, l'enfant, ne veut pas avoir papy. Ah, désolé, il a encore pas, il est en bas. Il danse. Ah ouais, mais. Ah oui, mais lui, il s'arrête plus, hein. Ah si, il s'arrête, quand même, pour manger. Et après, il fait une petite sieste. Et quand ça s'était fini, hop là, ils sont venus voir danser. Ouais, enfin, hein. Ouais, enfin, c'est pas sérieux, hein? Hein? Tu parles à Jeannot? Oui, pas de problème, hein, Raoul. Jeannot, mes fils, il veut vous parler. Allô, aussi Jeannot? Oui? Ben, ouais, hein? Le papy, là, de Jean-Philippe, là, il est en pleine forme, hein? On est. Oui, mais c'est continu, il va nous battre deux records, hein. Le record du meilleur danseur et le record de la Soniac, hein. Ah, mais enfin, quand même, hein. Ah ouais, mais enfin, quand même, hein. Raoul. Ouais. Ah, tu veux parler à ton papy? Y a pas de problème. C'est pour... C'est papy de... C'est Raoul, il veut parler à son papy. Oui, papy est très content. Il dit que vous devez continuer comme ça à vous amuser, à ramer et à vous reposer en zone verte. Il faut, hein, les zones vertes. C'est comme ça, hein. Je mets les jeux de nuit de côté parce qu'ils font. Ça ne peut plus faire du bruit. Ah.
Un non, hein. Un roi, hein. Ah bah c'est comme ça. Ah bah mais Raoul, j'ai dit aujourd'hui, hein. Oui. Vous revenez toujours le 20, le 31 mai 2021. Oui, oui. Oui, oui. Ah, il faut, hein. Ah, ben, bien sûr, hein, qu'il le faut. Ah, ben, voilà. Ouais, hein. Ah, ouais, hein. Ah ouais, hein. Tu veux parler à Milou? Milou, c'est Raoul, il veut te parler. Bonjour Raoul, ça va bien? Tu t'amuses bien? Oui, et toi Milou? Moi aussi, au revoir. Voilà. Ouais, hein. Ah mais je te comprends, hein. Ah bah oui, c'est logique, hein. Oui. Ah bah oui. Oui. Ah, Rosaline vient parler à son papy, il n'y a pas de problème, hein. Papy, Rosaline, elle veut vous parler. Allô, on se voit, ouais, c'est moi. Alors, ça va? Ouais. Alors, si jamais je viens, ouais. Le temps, vous, on s'enlayait, pas trop chaud, non, tant mieux. Ah, il est faux, hein. Au revoir. Au revoir. Ah, c'est comme ça. Ah ouais. Ah ouais, hein. Ah ouais, fou, hein, ça fait. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. Ah, il est fou, hein. Bien sûr, hein, qu'il le faut. Ah ouais, hein. Ah, c'est comme ça. Ah, mais ouais, hein. Ah ouais, hein. Ouais. Ah ouais, hein. Oui, oui, t'inquiète pas. Tout va bien, hein. D'accord. Oui, au revoir. En tout cas, tout va bien. Ils sont en train de ramer, ils ont enfin trouvé l'île au soleil, ouais. Enfin, ils ne sont pas encore arrivés à l'île du soleil. Pour le moment, ils sont renseignés pour voir si c'était bien en zone verte, et elle est en zone verte. Donc, c'est parfait pour eux. Ah ouais, hein. Parce que les zones vertes, c'est important, hein. Ah ouais, hein. Il faut éviter les zones rouges, hein. Il faut éviter les zones au chômage, hein. Ah ouais, hein. Ah bah ouais, mais c'est comme ça, hein. Maintenant, ils rament. Oui, ils vont revenir le 31 mai 2021 comme prévu. Et le mariage est toujours prévu pour 2022. Ah ouais, il faut, hein. Ah bah ça, je l'ai toujours dit, mais ah, il faut, hein. Enfin, en tout cas, ils s'amusent bien. Hein? Jean-Philippe, Nicolas, c'est un peu déçu que le papy n'était pas encore là pour leur parler. Qu'il était encore en train de faire la fête, là. En train de danser, là. Il est où encore? En bas. En bas, à la salle de fête. Et ouais, mais enfin, hein? Toute la nuit, il a dansé, hein. Ouais, mais enfin. Heureusement que j'ai pas. Heureusement qu'on a mis un truc anti-son, y a un... parce que sinon on l'entendrait dans toute la. Dans toute la maison. Hein. Et... Non, là on n'entend rien. J'ai mis un anti-son. Ouais, enfin quand même, hein.
Comme ça, le bruit, on l'entend, enfin le bruit, la musique, on l'entend que à l'endroit prévu pour. Ah ouais. Parce que c'est pas du sérieux, hein. Ouais, mais enfin, quand même, hein, je vous dis, hein. Si ça, c'est du sérieux, moi, je suis Napoléon, hein. Il va nous battre un nouveau record, deux nouveaux records, hein. Le record du meilleur danseur, mais le record du meilleur à son âge, hein, c'est ça qu'on a tenu. Ouais, mais enfin, hein. À son âge, en plus. Ouais, mais il a déjà 87 ans, hein. Faut pas l'oublier, hein. Ouais, je sais, il danse un peu comme un dieu, mais enfin, quand même, hein. C'est pas une raison pour pas le record du meilleur insomniaque, hein. Bon, alors. Oh, enfin. Oh, mais faut pas non plus lui chercher des excuses, hein. Parce que. Hein? Ouais, mais le docteur Didier, il a dit, hein, il doit mettre un frein à sa vie nocturne, hein, parce que nous, jeudi. Le toit, il tient, ouais. Mais ça vaut, est-ce que lui va tenir? Hein? Ah bon? Faut réfléchir à ça, hein. Bon. Parce qu'il faut pas faire n'importe quoi non plus, hein. Même si on a l'air jeune, hein, il y a l'âge qui est là, hein. Ah, bon. Ah ouais, enfin, quand même, hein. Ah, bon, enfin, hein. Oui, je sais, il répète toujours. Moi, je pense au futur. T'en as dit, oui, j'ai 40 ans, j'ai 90 ans. Mais lui, il n'est pas comme ça, je sais. Mais quand même, hein. Oh, mais enfin, c'est pas sérieux, hein. Il va nous faire une attaque, hein. Du cerveau, hein. Enfin, heureusement que le cœur il tient, sinon ce serait les deux. Crise cardiaque et crise du cerveau. Hein. Voilà, il a fait une bonne crise de nerfs à ce moment-là. Hein. Et une bonne chute. Hein. Bon. Enfin. Heureusement que Jean-Jean et Jean-Philippe ne sont pas là parce que sinon, ils ne savent pas où ils se mettent. Ah non, ils seraient gênés de le voir leur grand-père danser comme ça. Et. Ah, enfin. C'est pas sérieux. Oh, enfin, quand même, hein. J'ai toujours dit, c'est pas sérieux. Il doit apprendre à se ménager ah oui il met ah oui ben si c'est comme ça qu'il se ménage ben je peux faire autant alors hein. Je peux faire autant hein. Je vous dis. Ouais, mais ça fait de. Heureusement qu'il vient manger. Après, il se repose pour faire sa petite sieste. Pour digérer. Ouais, mais une sieste qui dure qu'une heure. Après, c'est fini. Il est de voir en bas en train de danser. Ouais, mais. Hey. C'est pas du sérieux. Hein. Ouais, mais j'ai joué. Hein. À son âge, il faut ménager sa monture. Hein. Bon. Non, pas sa voiture, sa monture. Oh. Ouais, mais enfin, quand même, hein. J'ai déjà dit, hein, il est pas. C'est pas sérieux, hein.
Et voilà, les amateurs de journaux et journal, c'est fini pour aujourd'hui, mais ils reviennent demain avec un nouveau pied de théâtre. Et maintenant, un bonus. Ouais. Et c'est l'histoire de. On va le mettre en situation. C'est l'histoire de François. Et il va, comme tous les ans, il va chez le médecin pour faire le diagnostic, comme tous les ans. Ah ouais? Alors avec sa femme Véronique. Alors mon chéri, qui se l'a dit le médecin, que t'allais bien, tout va bien. Ah, tant mieux. Et tu lui as dit que t'avais une mémoire d'éléphant. Ah. Ah ouais. Ah ouais, c'est tout content de travailler chez Codor. Je comprends pourquoi t'as une mémoire d'éléphant, hein. Ah ouais, ça. Oh. Tu travaillerais dans un, allez, il serait pour avec les souris, il y aurait une mémoire de souris, hein, on lui dit. Ah ouais. Ah ouais, mon enfant, hein. Et t'as vu tous les chocolats qu'il nous a ramenés de Côte d'Or, ton cousin. Ouais, mais avec tout ce qu'il nous a ramené, on est tranquille pendant au moins juste. Au moins pendant 10 ans, hein. Ouais, mais avec nous, on peut faire de la mousse au chocolat tous les jours avec lui, hein. Je vous dis. Mais enfin, c'est pas sérieux, hein. Ouais, j'ai été chez Codor, il peut les avoir gratuits, il nous donne gratuit, on va pas cracher dessus, d'accord. Mais quand même, hein. Il nous a ramené 20 kilos, dit. Oh, mais ouais. C'est tous les jours qu'il nous ramène 20 kilos. Je l'ai dit, demain, on ramène plus 20 kilos parce que sinon, on va bientôt tenir un magasin de chocolat sans contenu. Oh, mais enfin, quand même, hein. Faut être sérieux dans la vie, hein. Ah ouais, d'accord, c'est vrai, il est sérieux. Mais quand même, hein. Il oublie que le chocolat, que le sucre peut donner le diabète, hein. Bon. Oui, il faut manger modération, je sais. Mais lui, il est. Ouais, mais après, il a le diabète. Ouais, lui c'est, il mange pas le chocolat, il a jamais mangé de sucre dans sa vie, il a le diabète. Il n'a que 20, il n'a que 42 ans. Ouais, mais c'est normal, hein. À force de respirer le sucre, hein, ça monte dans le corps, hein. Ah bon. Et après t'attrapes quand même le diabète, hein. Ah bon. Hein. Bon. Enfin, c'est pas sérieux. Je dis c'est pas sérieux. Ah, pour lui c'est sérieux. Ah ben, il est quand même prévenu quand la saison ne sera pas sérieuse. Comme ça, je prendrai des vacances. Parce que là, hein. Ouais, enfin, quand même, hein. Et là, le bonus est fini. Maintenant, un autre bonus. Et c'est l'histoire de François. Ah non, de Michael et de Michel, avec un E à la fin. Alors, Michael, hein, ta femme, oui, tu l'as retrouvée, hein? Ah oui, je l'ai retrouvée. Elle était en train de me chercher dans les ordures. Dans les ordures? Ah bon? Quelle bonne idée. Mais non, c'est parce que la dernière fois, j'avais mis une heure pour mettre la poubelle dans la poubelle. Pour mettre la poubelle dans la poubelle. Ah, je veux dire la poubelle dans les ordures, enfin dans le conteneur.
Ah oui, je sais, je sais. Et comment c'est que t'as mis une heure pour descendre des poubelles en bas dans le conteneur? Faut pas une heure quand même. Ah, tu avais rencontré, t'avais vu un rat d'égout. Aïe, aïe, aïe. J'espère qu'il t'a pas attaqué, hein. Parce qu'il faut faire attention, hein. Oh, mais ceux-là, ce sont les meilleurs violeurs du monde, hein. Ah, voilà. Et même quand ils te violent, hein, on lui dit. La dernière fois, ils ont voulu mettre notre voisine enceinte. Et ça va, hein. Heureusement que c'est un être humain, oh, un enfant, hein. La pauvre voisine. L'animal il était en train de mettre sa queue, enfin, il essayait de mettre sa queue dans son cul. Et ça va, hein. Oh. Hein. Je sais, c'est un animal, et alors? C'est un être humain, et alors? C'est pas un exemple pour le rat pour jouer les mafiosos, hein. Non. Ouais, mais enfin, quand même, hein. Il n'y a qu'à niquer une rate, un rat, hein. Oh. Non, mais enfin, hein. Ouais, enfin. Ouais, mais, hé. Hey, ne rigole pas parce que ton cheval, c'est pas mieux, hein. Il y a 2 jours, il se tapait une vache. Alors ça va, hein. Un cheval qui était en train de faire son affaire là, avec la vache, lui. Oh, mais la vache, elle a meulé, hein. Ah, mais. Heureusement que son mari est arrivé, hein. Son mari, le taureau, avec un coup de corne et part, hein. Le cheval, il était par terre, hein. Ouais, d'accord, il était pas blessé, d'accord, il était pas blessé, d'accord. Mais quand même. Les animaux, les vaches avec les vaches, et les chevaux avec les chevaux. Merde, hein. Oh, c'est comme si maintenant tu voyais un chien vraiment avec un chat. Je sais pas, mais. Hein? Bon. Oh, il s'aime, il doit pas savoir à s'aimer. Allez, il y a aimé et aimé. Là, c'était pas aimé, hein. Là, c'était plutôt il était en train de faire son affaire, hein. Ouais, mais enfin, hein. Il voulait la mettre à la casserole, hein. Ouais, mais enfin, quand même, hein. Et le vétérinaire, qui n'a pas trouvé mieux que dire, il faut inventer une nouvelle race. Ouais. Moi, quand je l'ai vu, je dis, moi, j'ai une nouvelle race à vous inventer, oui. Je ne paye pas un prix de plus si jamais ça fonctionne. Eh, ça va, oui. Parce que la vache, hein. Ouais, mais ma vache. Ouais, mais enfin, quand même, hein. Marguerite, on l'a entendu. On l'a entendu jusqu'ici, dit. Ouais, mais les voisins, ils croyaient qu'on était en train de gorger la vache. Mais c'était pas ça, hein. C'est ton cheval, hein. Il était en train de faire l'amour avec Marguerite. Marguerite la vache. Oh, mais enfin, hein. T'as qu'à dire à ton cheval, Alphonse, qu'il doit arrêter de foncer dans la vache, hein. Il doit foncer dans une jument. Il doit faire son affaire à une jument, pas à une vache. Et. Hein? Il a vu dans quel film, là, que les chevaux pouvaient se reproduire avec les vaches. Hein? Enfin, c'est pas sérieux, hein. Ouais, bah, je te dis, c'est pas sérieux. La prochaine fois, hein. Bon, d'accord, Michael. C'est vrai. On tient une auberge, enfin une ferme, d'accord. Mais c'est pas une raison pour que les animaux aille avec des autres animaux qui font même pas partie de leur race, hein, on lui dit. Oh, mais enfin, hein. Et l'autre fois, là, j'ai vu un écureuil qui était en train de faire son affaire à un cochon d'Inde. Allez, dit. Franchement, dit. Oh. C'est plus un. C'est un cirque ici. C'est plus un. Une étable ici. C'est un cirque. Oh, mais enfin, hein.
Et le cochon, c'est pas mieux. Il était en train de s'envoyer en l'air avec... avec la chèvre, vraiment. Enfin, quand même, dit. S'ils veulent nous refaire une nouvelle race, qu'ils attendent au moins. Hein. Quoi? Ah ben, que c'est le bon couple et que l'amour va et que l'amour et que tout va avec, parce que sinon, hein, parce que si après il y a le divorce derrière ça, non merci. Hein. Ah ouais, enfin, hein. Et le lapin, hein, qui n'aurait pas de... Ouais, mais à chaque fois, ils vont se marier. Ils vont tous se marier, on va tous les mettre en mariage, comme ça, il n'y a plus de problème. Ils pourront butiner ailleurs s'ils veulent. C'est leur problème, pas le mien. Hein. S'ils veulent faire les marioles, hein. Ouais, mais enfin, hein. En attendant, quand j'ai raconté ça à mon papy, il était mort de rire. Oh, mais enfin, quand même, hein. Il dit, ah, le cheval, là, on t'a joué avec ma guéride, ah. Ouais, très drôle, hein. Ouais. Moi, ça ne me fait pas rire du tout, hein. Parce que parfois, j'ai envie de les envoyer dans un asile, hein, ces animaux. Heureusement que Milou, lui, il est solidaire, hein, avec sa femme, hein. Enfin, il n'a pas encore de femme. Non, il est en train de fiancer. Et s'il veut se marier, il aura ma bénédiction. Et même s'il ne me la donne pas, la bénédiction, il l'aura quand même. Voilà. Bon, enfin. Maman. Et voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Je reviens demain. Même heure, même endroit. Ah oui, un conseil, les gars. Respectez les marquages au sol. Dans les rues, là où il y en a. Respectez les flèches dans les galeries des magasins. Des magasins alimentaires. Et mettez le masque là où c'est obligatoire. Lavez-vous les mains. Et respectez la distance d'1m50. Voilà. Au revoir et à demain. À demain.